sur ce beau cœur, c'est l'heure d'aller faire le boss YouTube. Et oh, c'est à ça que ressemble Prise par la frénésie. Enfin, il y a Jack devant. On dirait qu'elle a des ailes qui ont poussé dans son dos. Qu'elle est encastrée dans une sorte de vierge. Par contre, le design, ça fait très God Eater. Ça y est, le jeu retrouve ses sources. Ça ressemble au boss de fin, surtout de God Eater. J'ai oublié le nom. Enfin, le premier boss de fin de God Eater. Il avait une sorte de vierge comme ça dans son dos, le boss de fin de God Eater. L'Ultra Nova, je sais plus comment il s'appelait. Ah ça par contre c'est moche. Ouh, les bras de sable ils sont moches par contre. Boss de sable. J'espère que l'arène me draine pas mon licor. Mais ah! Mais quel enfer cette attaque! Je suis déjà mort. Elle m'a bourré avec son attaque de sable là. Ça, ça fait mal. Oui, ça fait mal quand t'arrives à la placer. Quand t'as pas le putain de viseur dans la dans ses bras et que tu vois rien. Ah non, mais le lock, des fois, ça fait de la merde. Pas des fois, souvent. Bon, mais pour une première tentative, c'était brouillon. C'était le bordel. Entre son attaque qui me poursuit à l'infini. Enfin, pas à l'infini, mais qui me poursuit longtemps. J'ai rien eu le temps de faire. Ah, l'ascenseur. J'avais dit quoi? Que j'essaierais de pas mourir et de perdre mes nuées? Bah, j'ai intérêt à pas les perdre. Ah, il est rapide l'ascenseur, c'est bien. Le problème, c'est que tu peux pas le renvoyer cet ascenseur. C'est pas comme les ascenseurs habituels. Celui-là, dès que t'entres et que tu touches ça, ça se ferme directement. T'as pas le temps de revenir en arrière. Ou alors, faut être rapide. Ah si, t'as le temps. Ah, j'ai rien dit. Tu t'es pris un ascenseur, t'as pas été distraite, c'est tout. Arrête d'affronter les ennemis, ça ne sert à rien. C'est bien, au moins on peut profiter de la bonne musique du boss. Comme ça, je récupérerai de la vie sur mes dégâts. On peut l'empoisonner, visiblement. Mais encore faut-il réussir à la taper suffisamment. J'ai réussi.
C'est pété de récupérer de la vie sur ces dégâts. Enfin, sur les dégâts que je me prends, pas que je fais. Déjà, ça se passe un peu mieux, j'ai envie de dire. La phase 2. Il lui fait pas si mal que ça, la glace. Ou non, ça, ça pue. Ça pue, j'aurais dû me reculer. Ah! Pour mettre du poison. Tant qu'elle décide pas de me bourrer avec son attaque. Ah, dommage, l'esquive était pas mal. Tu meuf! Mais c'est son attaque qui dure beaucoup trop longtemps, ça! Voilà, soit empoisonné et meurt du poison. Qu'à faire autant que je régène. Et le poison l'a eu. Bien, bien joué. Héritière de la gorge. Vaincre l'héritière de la gorge sur la cime de sable. Le poison et Io. Très bien. Le vrai jeu, c'est de jouer tout seul, mais bon. Je joue avec les alliés. Parce que le jeu te dit jouer avec les alliés. Et que j'ai envie de jouer avec les alliés. C'est vrai que Jack, il est pas au courant que je peux faire revenir à la vie les gens. ジャックと出会った時、私はレブナントに変われる諸事物だった。喉を失っていた私は、あの人は何も言わずに引き取ってくれ。その恩返しがしたかった。私には適合者としての素質がある。この体が少しでも彼の役に立てるなら。 人間を捨てることになったって。目が覚めたのね、ジャック。傷は痛む。眠ってしまっていたか。大丈夫だ。こんなことにお前の喉を使うんじゃない。その命令は聞けないわね。私はあなたのために歌うのが好きなの。
辛い思いをさせてしまったな。そんなことないわ。何もかもを失っていた私に、あなたはもう一度光を取り戻してくれた。 この声も。そんな顔をしないで、ジャック。いつかはこうなる運命だった。神が受け継いだ時から。 C'est émouvant. あなたは、あなたの使命を果たして、命を燃やし、運命の時が巡るまで精一杯生きて。エヴァ、歌ってくれないか、俺のために。 Ils sont pas là pour les autres pour une fois. Elle n'est pas en forme de boss. À mon avis, c'est parce que ça s'est fait assez tôt, comme ils le disent.
Elle a pas eu à passer plusieurs siècles, on ne sait pas combien de temps sous forme de boss. Eva, nanto, ittara ii no ka. Nani mo iwanakute ii no. Mou sukoshi, issho ni isasete kureru kashira. Ah, mochiron da.俺たちはこのままミドを追う。追うってどこにいるか知ってるのか。侵害を利用した実験を繰り返し、エヴァから複数の侵害を奪って姿を消した。奴の目的はおそらくクイーンの復活だ。セビドンさん、イルユニトクレロリーク。それのためにシルバの侵害をも奪うつもりなのだろう。いや、パッコエッチョプリ。シルバも 継承者だったのか。問題はそれだけじゃない。赤い霧、レブナントが乾きにあえぐ霧の牢獄を生み出した世界の果て、あれを作り出しているのはシルバだ。何？あ、ボメ、クマイラフェ。どうして？そんなマネを。ユティリゼラ、ラ、サプロプロリック。暴走したクイーンと戦うにはどうしても戦力が必要だった。 そのために多くのレブナントが生み出された。結果的にクイーンを止めることには成功したが、外の世界には多くの人間たちが暮らしている。赤い霧がなければ血に飢えたレブナントやロストが野に放たれてしまう。それだけは 防がなくてはならなかったんだ。お前たちのようなレブナントばかりであれば、そんな心配もきっと必要なかったのだろうがな。砦への道を開こう。急げば、奴に追いつけるかもしれない。 一つ警告しておく。忘れるなよ。侵害を持つ者は常に暴走の危険をはらんでいるということを。いい目に育ったな、シンギリ。Comment ça, j'ai de bons yeux? Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'harmonie. Evaru. Ah, on a son nom de famille. Contient d'excellents dons de ténèbres. Stock d'icor élevé. Résiste mal au vacillement. Très bien. Il y a déjà une quête secondaire! Oui, il y a vraiment déjà une quête secondaire. Je vais quand même aller récupérer le vestige sans oublier, parce que là il y a un vestige de... Je sais pas comment elle s'appelle, je crois que je lui ai pas parlé. Juste aller dans la forteresse pour prendre le point de téléportation. Je vais pas faire la forteresse. Parce que dans les quêtes secondaires, il va sûrement y avoir des profondeurs, ça va faire une heure. Et ce sera bon.
Oh, que je peux même me téléporter de là, donc non, en vrai. Je vais faire les 4 secondaires maintenant. Alors, voyons voir. On entend temporairement la vitesse d'utilisation des dons, ça c'est bien. Augmente la capacité maximum 10 corps, ça c'est bien aussi. Augmente l'esprit, la volonté, c'est très bien. Une lame de sable. Pourquoi pas? Je sais pas si c'est bien, j'en sais rien. Crée des lames de sable qui convergent vers la cible et explosent. Ça a l'air très bien. Vous permet de sacrifier des points de vie pour utiliser des dons lorsque vous êtes à court d'icor. Ça m'intéresse pas, je joue pas les icor. Maintenant, hormis ce que je n'ai pas. Donc, hormis tout ça là. Hormis ce que je n'ai pas, j'ai tout normalement. Bah, tout, on va sûrement trouver ton dernier vestige dans la forteresse. Hein. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Aïda. 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 Une invasion ? Non, juste un revenant vénère. Enfin, non, un déchu vénère. Oh, mais il est loin ! Il est pas prêt ! Je vais me téléporter à la prochaine pousse. Ah oui, c'est vrai, tu peux pas revenir à la prochaine pousse parce que c'est un trou duquel tu sautes, c'est vrai, j'avais oublié. Autant pour moi. Ça va le bug de texture? Ouais. Tout va bien. Eh ben, on va courir. Courir très vite. Une minute, j'ai besoin de regarder ma carte. Voilà. C'est celui qui est là. Très bien. Tu meurs déjà. Voilà. Par contre, maintenant il faut dénuer pour revenir au feu de camp. Ah mais je suis con en fait. J'utilise jamais ça. Voilà. Pourquoi ça fait un son de cymbale ?
Bizarre. Bah, j'ai surtout Yo qui fait mal. この薬あんたたちに渡すよ。レブナントを強くする薬だそうだ。弱いレブナントにはリスクがあるらしい。今の俺が使ってもきっと薬に飲まれちまう。いつか俺もあんたたちみたいに強いレブナントになりてえな。 Il m'a donné un code 5, hein. C'est-à-dire que c'est la fin de ses quêtes. Attention complète. Il reste rien pour maîtriser ça. Hein. Attention complète. Frappé avec une absorption chargée octroie la... Donc, octroie la concentration. Très bien. Il a pas d'autre quête. On va fouiller chaque zone pour chercher s'il y a des quêtes. Rien de plus. C'est bien s'il n'y a pas de quête. Ah si, il y en a forcément. Mes souvenirs n'ont aucune cohérence qu'il y ait quelque chose dans mes souvenirs. Exactement, il ne faut qu'une... Il n'y a aucun sens. Faut juste aller voir si en dessous Karen elle a un truc à donner. Parce qu'elle a l'air d'en donner souvent. Des sangs purs. Oh, c'est pas un sang pur ça. Qu'est-ce que c'est? Le code de Déméter. Ah, c'est le code de Karen. Ça, c'est parce que du coup j'ai ramassé assez de sang pur en venant. Ok. C'est bien ça. J'ai bien fait de me promener à chaque fois, de venir récupérer les sangs purs qu'elle donnait. Il y a quoi dans son code ?
dans son, oui, dans son code sanguin. Vous pouvez utiliser instantanément les dons qui nécessitent un temps de chargement. Ah, c'est bien ça. L'esprit du courage, c'est très bien aussi. Ça coûte cher. Augmente temporairement la défense de l'arme face aux attaques élémentaires. Moi, je peux rien acheter directement. Guérison automatique. Consomme des points de vie en avance pour déclencher automatiquement offrande vitale lorsque votre allié subit de lourds dégâts. Oui, mais j'utilise jamais ça. J'imagine donc, vu que c'est pas dans les passifs, que je peux équiper, c'est le passif du... quand j'ai le code d'équiper. C'est bien. Rien non plus. Non, il reste forcément des quêtes secondaires quelque part parce que j'ai pas eu le trophée de finir toutes les profondeurs. Et vu que les profondeurs c'est donné dans des quêtes secondaires, ceci explique cela. Ah! Bah voilà, en parlant de quête secondaire. J'ai jamais remarqué, mais il a des plumes bleues au niveau de ses bottes. Quelle idée. De tout. C'était pas une quête secondaire, c'était juste un dialogue. Un dialogue secondaire. D'accord. T'avais un dialogue à me dire. Bah d'accord. Vous voulez me parler. Sûrement battre le prochain boss pour que je déverrouille une quête secondaire. Action la base. Je vais voir si en parlant à Eva je peux avoir son code sanguin. Ah mais non, mais je l'ai déjà eu. En la battant. Il n'y a rien à faire à la base du coup. Ah mais si, elle est quand même là, bah, je vais lui parler pour voir. Jack et Mata, ils ont dit que ce n'est pas ce que tu as dit. Merci. Je suis Eva Lou. Je suis un conseiller de la communauté. Je suis un conseiller de la communauté. C'est bon, à chaque fois que je tourne les caméras, elle tourne la tête. Je vais vous donner un conseil de la communauté. Je vais vous Ah, pour explorer avec Eva. Cool.
あなたの行動には感謝しているって。また肩を並べて戦えることをジャックも喜んでいるみたい。絶対そんなこと口に出さないでしょうけどね。あなたたちにはいろいろとお世話になってしまっているけど、これから私も探索に協力するから、いつでも言ってね。Mais c'est comme Mia, elle va être forte à distance, mais au corps à corps, elle va se faire défoncer. Puisque les équipes vont par duo. T'as toujours l'attaquant à distance, l'attaquant au corps à corps. Or, c'est Jack l'attaquant au corps à corps. Shingai ni wa tekigouritsu toyu mono ga atte. Suuchi ga yoi hodo shingai ga antei shi, shintai henka mo okisu. À moins qu'elle attaque au corps à corps. Oku no chikara o furuu koto ga dekiru. Dakara. Mais vu que son code sanguin c'est pour les dons et pas l'attaque. Ah, je suis le sang de la reine. D'accord. Ok, après elle loupe ses dialogues. Non, elle se bat à distance, d'accord, donc c'est bien ça. Libertador. Je sais pas du tout ce qu'elle veut. Ah, il est là, Jack. J'ai pas son code sanguin, c'est vrai. Emdal, Jack Rutherford. Mais il est très agressif, hein, c'est pour moi ça. ジャック・ラザフォード、しばらくは共闘させてもらう。よろしくね。J'ai envie de combattre avec Jack, moi, pas avec Eva. Elle est très stylée, Eva. Eva, Jack aussi, mais moi, je joue au corps à corps. J'ai aucune défense. J'ai besoin de quelqu'un qui peut me protéger. すべてを遮るキーの牢獄。最も強力な制御能力を有する脳髄の侵害の力を用い。Ah, donc Silva, il est la relique du cerveau. Okay. その度にエヴァが一時的に受け入れ、積み重なった侵害の力は徐々に彼女を苦しめた。そんな時に現れたのがクイーンを吸血し死んだと思っていたお前だ。侵害の血液が、そして沈める力を持つ。まず俺が求めていた。C'est juste une petite absorption. J'ai pas vidé le sang de la reine. Enfin, la reine de son sang.引き入れようとしたわけだ。改めて言わせてもらう。エヴァの件、感謝する。並大抵の力では今のミドを止めるのは難しいだろう。すでに砦との連絡もつかなくなっている。何が待ち受けているかもわからない。随時状況を判断しつつ慎重に進むしかない。D'accord, t'as déjà dit tout ça. Alors qu'est-ce que tu donnes, toi ? Non, il faut savoir. Ah, c'est pas une arme à deux mains, ça, c'est une arme à une main. Ah, je peux changer d'arme. Qu'est-ce qu'il aime, lui ? Non, c'est rien. Faudrait que je me renseigne. どうしたのですか。
vestiges d'Eos. Thémisto, d'accord, ça s'appelait comme ça. Oh bah c'était court. Oublié de t'habiller. Ouais, il manque encore trois vestiges. Ça, c'est dans les profondeurs. Que j'ai pas la carte des profondeurs. Oh bah ça va, ça coûte pas cher. La résistance à tous les éléments. Ah oui, non mais ça c'est vital en fait. Plus d'attaques. Bon bah finalement, on va avoir un petit aperçu de la prochaine zone que je ferai lundi. Puisque je vais pas la faire maintenant. À mon avis, la fin du jeu, si c'est la relique de Silva la dernière, il manque Coco, non, oui, il manque un vestige pour Coco, pour Hermès, enfin pour Davis, il manque ceux de Murasame. Je dirais qu'il y a encore deux zones dans la forteresse. En même temps, elle a l'air grande. Je dirais qu'on est peut-être... près de la fin du jeu finalement, plus que la moitié en fait. Peut-être que la moitié elle commence quand tu trouves le premier héritier, l'héritier du torse, enfin l'héritière Auroa. Je devrais en être à 70% du jeu, ça veut dire 70-80%. Oh non, oh non, pas un labyrinthe de mort, oh non. Pas encore un labyrinthe, non. Oh pitié. J'ai oublié de changer de partenaire. Je vais prendre Jack. Non, me dis pas que c'est encore un putain de labyrinthe. J'ai pas envie. Pas un labyrinthe. J'ai pas envie de faire un labyrinthe. On rajoute quand même un peu avec Eva. Après, je prendrai Jack. Oui. Putain, il y a un chevalier noir déjà, ça commence bien. Un des crapauds de Mido. Ah, il la stun à distance avec son sable. J'ai oublié de passer de niveau moi avec tout ça.
Ah si, elle attaque quand même au corps à corps avec sa baïonnette. Pas d'ennemi qui va sortir du sol. Putain, c'est un labyrinthe. Un labyrinthe. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pour avoir droit à un labyrinthe. Ah, ça c'est un raccourci pour plus tard. Ah, ça par contre le tonique, je prends. Ne pas attirer tout de suite l'autre déchu. Ça va, en 4 coups, c'est la moyenne. Ouais, sauf que j'ai tué tes alliés. Ça va en vrai, elle est forte. Une émote. Qu'est-ce que c'est que ce buff? C'est la résistance... Enfin, c'est plus de stabilité, je crois, ce buff. Ça ressemble beaucoup trop à la cathédrale de sang, pour être honnête. Un. Oh, ils sont beaucoup. Ouais, mais vous bougez. Voilà, viens là. Oh, ça va. Je leur fais mal quand même. Ouais, ça c'était évident. Le dos n'était pas droit, mais c'est pas grave. La moitié de plus de la moitié de sa vie. C'est bien. Ah bah voilà, j'ai maîtrisé mes dons. Par contre, l'échelle du début, non, ça la déverrouille pas. Que celle-ci. Ça veut rien dire par contre le nombre de nuées que je reçois. J'étais à 60 000, je suis à 100 000. Enfin, 120 000 même. Doucement, doucement, ils sont pleins. Ah. Bon, ils viennent pas combattre dans le couloir, c'est dommage. Occupe-toi de l'autre, Eva. C'est un chevalier noir avec un shotgun. Non, je voulais justement pas attirer l'autre. Vite, recharge-toi vite. Quoi? Elle est... Ah oui, vraiment, au corps à corps, elle voit rien. Ce backstab qui aurait pas dû passer. Elle s'est fait éclater. Faut leur combattre un peu seul. Ah, c'est la mort en dessous, très bien. Je l'ai laissé combattre seul une minute, elle est morte. Il est entouré de singes. Pourtant j'ai cherché les ennemis, mais j'ai pas regardé en l'air.
l'inhibition, pardon. Ma vie. Allez, venez là, les singes. Vous êtes des singes. C'est pas effrayant, les singes. Bien, j'ai ouvert une porte. Mais encore. Ça va, j'ai pas trop perdu de... d'icor. J'en ai pas perdu du tout même, on dirait. C'est un piège à con, ça. Le guerrier. C'est pas un piège à con. Non, c'est le vestige qui parle, hein. Y a pas d'ennemi en train de me parler. D'accord, je m'attendais à... une invasion, un gros ennemi qui me tombe sur la gueule. Le jeu a été étrangement gentil. Ça, c'est l'endroit duquel j'aurais pu arriver. Mince, il m'a vu. Non. Et chevalier noir. Fait. Carte de profondeur. Je monte haut. D'accord. C'est suspect que le jeu me donne des objets comme ça. Bon, si je tombe de là, à mon avis, c'est compromis. Non mais il va y avoir une invasion. C'est un peu trop gentil. On te donne des objets comme ça au milieu de nulle part, sans ennemis. Le jeu est en train de mijoter quelque chose. Mais il y a un passage que j'ai pas pris en arrière. On dirait la suite. Un gros couloir comme ça. Ah. J'ai gagné une émote. Où était ce passage que je n'ai pas emprunté? Ici. Tout à fait, c'est là. Et ça. Je ne suis jamais allé par ici. Il y a un chevalier noir énervé. J'essaye de lui faire un backstab. Ah, bac sabre retourné, très bien. Ça n'a aucun sens. Ça. Quoi, ils sont deux? Oui, tu as un bouclier, toi. Pardon. Heureusement que j'en ai eu un rapidement. Voilà. De la régène. De la vie.
J'ai bien fait de revenir en arrière. Ça va, je m'en tire bien seul finalement, contre des ennemis énervés de haut niveau. Pas mal. Ça, c'est visiblement la suite, j'ai l'impression. Il y a mon raccourci d'ailleurs qui est droit devant, donc c'est très bien. C'est un PNJ ça ? Bah, il n'y a pas de quête, je peux lui parler. Je lui parlerai quand les PNJ auront une utilité dans ce jeu. C'est-à-dire pas dans l'immédiat. Ça, c'est pour revenir en bas. Ouais, je reconnais l'endroit, c'est l'endroit du début. Là, il y a un escalier. C'est beaucoup trop calme. À mon avis, là, il y a le raccourci. Parce que je vois qu'il y a l'échelle sur la carte. Ouais, il y a mon raccourci ici, à la clé. Que c'était le vide. Ah ben ma cartographie en plus. Parfait. J'avais oublié que j'avais dézoomé. Non, j'ai rien raté a priori. Bien. De voir ce qu'il y a là. Deux gros ennemis, très bien. On verra ça lundi. Hein. J'ai dit que je montrais un petit aperçu de la zone, ça fait un petit aperçu. Et puis j'ai mon raccourci, donc tout va bien. Raccourci qui est où en fait? Qui doit être vers là-bas. Faut que je change de code. Faut que je prenne lequel? Donc celui-là c'est bon, j'ai tout. Là j'ai tout, là j'ai tout. Faut que je prenne le code du mage. Ah, je sais que j'ai plus les stats. Voilà, maintenant j'ai les stats. Faudrait que j'améliore les autres codes, les autres voiles sanguins comme ça aussi pour voir vraiment lesquels sont les plus intéressants. Regardez si c'était un passif, le truc à masterer. Ça doit être un passif. YouTube, lundi tu auras la suite de Code Vein.